Cette vidéo couvre la préparation des conducteurs des câbles autorégulateurs destinés à être employés avec les trousses de la série U de Chromalox. Avant de commencer le projet, débranchez toutes les sources d'électricité et vérifiez que l'installation est mise à la terre conformément au code électrique du pays. Assurez-vous également d'éteindre le courant avant d'enlever l'embout. Des dispositifs de contrôle et de sécurité suffisants doivent obligatoirement être installés sur tout système de chauffage électrique. Maintenant, commençons. Introduisez le câble chauffant dans l'écarteur du tuyau et le passe-câble, tel qu'illustré. Il le câble doit dépasser du passe-câble d'environ 20 cm. Fixez ensuite l'écarteur de tuyau au tuyau à l'aide des courroies de tuyau. Lorsque vous insérez les courroies de tuyau, assurez-vous de les placer entre le tuyau et le câble. Ne les mettez pas par-dessus le câble. Un petit adapteur sera nécessaire si les tuyaux sont d'un diamètre inférieur à 4 cm. Ensuite, faites une entaille dans la gaine isolante extérieure à 18 cm du câble. Coupez avec précaution la gaine extérieure en allant du centre vers l'extrémité, puis retirez-la. Faites attention de ne pas couper la tresse métallique. Enfoncez la tresse vers le fond, vers la surgaine. Ceci créera un pli vers l'extérieur. Ouvrez la tresse et pratiquez une ouverture. Maintenant, tout en recourbant le câble chauffant, faites-le passer à travers l'ouverture dans la tresse et tirez-le fermement. Lorsque ceci est terminé, faites une entaille dans la gaine d'isolation intérieure à 15 cm de l'extrémité en coupant la gaine intérieure vers le haut du centre vers l'extrémité du câble chauffant, puis retirez cette gaine intérieure du câble. Découpez le matériau en trop entre les conducteurs du buse. La préparation des conducteurs du câble chauffant autorégulateur est maintenant terminée. Passez à la vidéo d'installation de la trousse pour terminer son installation. Pour obtenir plus de renseignements sur n'importe quel produit Chromalox, veuillez vous rendre sur le site web chromalox.ca.